nous lirons une portion de l'Écriture. Et nous sommes en Colossiens. Colossiens 1. Verset 12. Et nous descendrons. Nous lisons. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Mes bien-aimés frères et sœurs, je vous inviterai à suivre attentivement la lecture de la parole de Dieu. Rendons grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption, en qui nous avons la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Nous chantons ce stoff de cantique et nous allons prier ensemble. Et nous allons remercier le Seigneur de toutes les choses qu'il est en train de faire au milieu de nous. Et nous nous souviendrons de nos bien-aimés frères et sœurs qui sont malades. Au milieu de nous, il y a beaucoup de malades. Que le Seigneur nous fasse grâce. Là-haut sur la croix, Jésus a tout fait. Est accompli à Golgotha, comme l'a dit Jésus, seul mon Rédempteur, et je crois à l'œuvre du Calvaire. Quand Jésus suivit le chemin de la
De venir prier courtement. Ah, kobondela na bokuse. Et il sera suivi de frère Kalele. Be simana ye ndeko Kalele. Nzambe tata na nkolo na biso Jésus Christ. Dieu Père de notre Seigneur Jésus Christ. Tozali kotondo yo pona ba bienfaits na yo toyebi kotanga yango te. Nous te remercions pour tes bienfaits qu'on ne peut pas compter. Hier, singulièrement, j'ai été touché par ta parole. Quand l'Esprit a revêtu ton serviteur pour que si nos frères de l'Église primitive, ton retour était vraiment leur préoccupation. Et à plus forte raison, biso batoto komi na fin du temps, fin de la terre. Et à combien plus forte raison pour nous qui sommes arrivés en ces temps de la fin? Ôte toute distraction au milieu de nous. Préparation et que notre préparation soit effective. Béni ce soir. Béni la parole qui vient d'être lue. Pense à ton serviteur qui est dans la méditation. Ouin-le de ton Esprit Saint. Et quand il sortira ici, qu'on n'écoute pas un homme, mais qu'on t'écoute toi. Nos frères qui sont malades, que tu ne guérisses pas seulement nos corps, même nos âmes aussi sont malades, que tu puisses les guérir. Remets l'amour qui était auparavant. Que tous nous soyons bénis de ta bénédiction du début jusqu'à la fin. Nous t'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, notre Père Céleste, nous revenons devant ta face pour te dire merci. Car l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et avec l'Esprit Saint en nous, cela nous rend lourds avec beaucoup de poids. Satan, lui, compte le nombre de ses enfants. Mais toi, Seigneur, tu pèses tes enfants. À la balance de ta parole. Nous savons que toi tu es avec nous. Pas comme c'était avec Belshazzar. Qui a été compté, pesé, trouvé léger. Mais l'Esprit de Dieu en nous. Nous rend réellement des fils et filles de Dieu. Gloire te soit rendue. Car au milieu de beaucoup de gens,
Toi, tu nous avais déjà connus avant la fondation du monde. Pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Glorifie-toi au milieu de nous ce soir. Que chaque cœur soit apprêté pour recevoir ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Veuillez vous mettre, s'il vous plaît. Page 72. Jésus qui décide du combat. J'entends que l'ami. L'ami fidèle est entre nous, avons un Jésus-Christ, oh toujours prêt à nous apprendre. Avec grand content sur lui, Jésus s'il nous voit, s'il nous voit vrai et sincère, à chercher la sainteté. La sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Nous appelons notre bien-aimé frère Ndombe. Oh, combien on a dit qu'on a dit son Ndombe? Devenir la chair. Na quoi on a été là? Vous saluez tous dans le précieux nom de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Nakope sabino no somba mbote na nkombo ya lokomo ya nkolompe mobikisi na biso Yesu Kristo. Sans tarder, levons-nous pour la lecture de la parole. Akozanga kolambela totelema pona botangi ya lobana Nzambe. Jean chapitre 14. Yohane mokapo ya zomi na minei. Les trois premiers versets. Milongo misato oya yambo. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et ici, en Apocalypse 22, celui qui a fait la promesse fait cette déclaration. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Nous avons commencé au verset 12. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent les robes.
afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, Libanda Bambwa, les magiciens, Batona Solo Katompe, Batona Magie, les débauchés, Batona Pité, les meurtriers, Babomi, les idolâtres, Basambéli na Bikeko, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David. L'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. La prière de frère a été suffisante. Nous sommes toujours autour de notre thème pour nous tenir en éveil en vue de notre préparation. Et ce que je peux vous donner comme parole de revoir, en rapport avec le sujet que nous suivons, c'est de vous tenir prêt, car le Seigneur Jésus-Christ vient bientôt. Tenez-vous prêt, car le Seigneur Jésus vient bientôt. Le Seigneur ne va pas tarder dans l'accomplissement de sa promesse. Il vient bientôt. Et chacun de nous doit être prêt. Être prêt, c'est être en éveil. Chaque jour, pour vous, c'est comme si ça ne va pas passer sans que le Seigneur vienne. C'est la personne qui est prête. Il vit chaque jour comme si ce jour ne va pas se passer sans que le Seigneur vienne. Alors, c'est ce que chacun de nous peut maintenant s'examiner dans sa vie. Est-ce qu'il y a des jours où il ne s'attend pas au retour du Seigneur? Ou chaque jour il vit comme si ce jour ne va pas passer sans que le Seigneur ne revienne? Lorsqu'il y a en vous cette urgence, que vous vivez chaque jour comme si c'est le jour que le Seigneur va venir, alors vous comprendrez que vous êtes prêts. Si ce n'est pas le cas, alors nous vous avertissons, tenez-vous prêts, car le Seigneur Jésus-Christ vient bientôt. Les signes que le Seigneur avait donné pour que nous puissions savoir que sa venue est proche sont tous accomplis. Nous n'avons pas
est notre signe que nous attendons. C'est pour cette raison, ayant vu tous ces signes accomplis, chacun de nous vivons comme si aujourd'hui ça ne va pas passer sans que le Seigneur vienne. Afin que nous puissions participer au glorieux événement qui va venir. Pour l'accomplissement de sa promesse. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ce glorieux événement de l'accomplissement de la promesse du Seigneur qui était vraiment vivant dans la vie des croyants de l'église primitive. C'est pourquoi ils ne voyaient que le retour du Seigneur. C'est pour cette raison Maranatha était leur slogan. C'est-à-dire que pour eux, tout c'était le retour du Seigneur. Mais ils étaient seulement au premier âge. Ils devaient encore s'écouler 2000 ans. Mais nous sommes arrivés à la fin du temps de la fin. C'est pour cette raison, cette urgence doit être en nous, les croyants du dernier âge, plus que ce que c'était en leur temps. Et le Seigneur nous a promis un message. Ce message nous ramène à la fois du débit. À la fois apostolique. Et si réellement nous avons reçu ce message, nous devons être ramenés à cette foi du début, où cette espérance du retour du Seigneur doit être vraiment vivante en nous. C'est pourquoi nous devons nous examiner pour savoir si réellement nous sommes dans la foi. Car la parole de Dieu, qui est la vérité, c'est cette parole qui nous purifie, qui nous sanctifie. Et Pierre, de son côté, il dit, et lorsque vous purifiez vos âmes, alors c'est à ce moment-là que vous aurez le véritable amour fraternel entre vous. Donc, cette espérance sera vivante en nous lorsque nous purifions nos âmes par l'obéissance en la vérité. C'est pour cette raison nous devons faire attention pour ne pas taper à la fausse porte. C'est comme l'histoire de l'eunuque éthiopien. L'éthiopien avait reçu quand même une soif, la soif de Dieu. Et pour lui, il voyait qu'il allait rencontrer Dieu à Jérusalem. Là où il va rencontrer les sacrificateurs, mais il ne connaissait pas ce que Dieu faisait en son temps. Alors que la nouvelle alliance avait déjà commencé, le Messie était venu et il avait établi son église et ses porte-paroles qui étaient là comme les apôtres. Alors lui est allé avec cette soif qu'il avait pour Dieu
chez le grand sacrificateur à Jérusalem. Et après l'adoration, il est rentré tel qu'il était parti. Et il était en train maintenant de lire le livre d'Esaïe. Si cela pouvait peut-être apaiser sa soif. Or, il devait maintenant taper à la vraie porte. S'il avait rencontré les apôtres, il aurait reçu le message de son temps. Et Dieu n'agit que conformément à ses promesses. La promesse de Dieu, c'est là où nous allons les rencontrer. Sans la promesse de Dieu, on ne peut pas avoir la véritable foi. Car Dieu n'agit que conformément à sa promesse. Et la loi de Dieu, c'est de recevoir un serviteur confirmé. C'est lui que Dieu avait promis en cet âge. C'est à ce moment que vous allez maintenant entendre la véritable parole de Dieu. Et les nuits que il avait soif de Dieu, mais il est allé au mauvais endroit. Dans les temps où se trouvaient les hommes qui ne connaissaient pas ce que Dieu faisait en ces temps-là. S'il était allé au portique de Salomon, il allait rencontrer les apôtres et allait être éclairé. Les gens pensent qu'en allant à Jérusalem, ils rencontreraient Dieu. Mais ce n'est pas cela. Dieu, vous ne les rencontrerez que dans la parole. Ce n'est que dans la parole de Dieu que vous pouvez rencontrer Dieu. Et celui qui se confie dans le Seigneur, tout ce qu'il entreprend réussit. Les hommes qui font confiance au Seigneur, on les trouve là où la parole de Dieu est prêchée. Amen. Puisque Dieu vous conduira là où la parole est prêchée. Et Dieu n'agit que conformément à sa promesse. Il y a des gens qui pensent que lorsque la parole de Dieu est sortie par un apôtre ou par un prophète, cette parole est moindre par rapport à la parole qui est sortie peut-être de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu a la même valeur. Que ça soit sorti de la bouche des prophètes, que ça soit sorti de la bouche de l'apôtre, si c'est la parole de Dieu, c'est ainsi dit le Seigneur, ils ont la même valeur. Amen. Amen. Il n'y a pas de promesses qui sont grandes et des promesses qui sont moindres. Et en ces temps de la fête, Dieu nous a fait promesse, nous a fait des grandes promesses de grande importance. Il y a la promesse de Malachie 4. Et il y a la promesse de Matthieu 24. Toutes ces promesses sont données par Dieu. Alors il y a des gens qui veulent maintenant montrer comme il y a une promesse qui est plus importante et l'autre est insignifiante. En agissant ainsi, alors vous perdez toute la confiance en Dieu et vous ne pouvez pas bien marcher avec Dieu. Le même Dieu qui a fait la promesse de Matthieu, Malachie 4,
le même Dieu qui a fait la promesse de Matthieu 24. Et toutes les deux promesses sont importantes. Vous ne pouvez pas voir que l'une des promesses est moindre. Et en cet âge que nous vivons, Dieu a attiré l'attention de l'humanité. Je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour grand et redoutable n'arrive. C'est la grande promesse que Dieu a faite à l'humanité. Et c'est cette promesse que tous nous semblons avoir vu cela qui s'est accomplie dans le ministère de notre frère William Mario Branham. Et le frère William Mario Branham a accompli son mandat pleinement. Il n'a pas resté quelque chose concernant son mandat. Tout ce que Dieu lui avait confié comme mandat, il avait livré. Il y est arrivé avant qu'il ne termine son voyage sur la terre. Dieu lui a demandé de ne plus se déplacer pour voyager ailleurs, mais rester à Jeffersonville pour pouvoir emmagasiner la nourriture. C'est lui qui a été destiné par Dieu pour livrer la nourriture. C'est William Mario Branham. Et si Dieu l'a récupéré, c'est parce qu'il avait accompli sa mission. Il avait pleinement accompli sa mission. Et au mois de décembre de l'année 1965, le Seigneur l'a retiré de la scène. Puisqu'il avait déjà terminé avec lui. Mais en Matthieu 24, Dieu nous fait une autre promesse. Je vous susciterai un serviteur fidèle et prudent. Il sera établi sur les domestiques de la maison du maître afin de leur donner la nourriture au temps convenable. C'est pour cette raison, même mois de 1962, en la même année 1962, où Dieu avait demandé à William Mario Branham d'emmagasiner la nourriture, il a parlé à quelqu'un d'autre de mettre la nourriture en réserve. Puisque le temps de famine ne vient, et il se mettra au milieu du peuple pour en distribuer. Et c'était notre frère Ewald Frank, à qui Dieu avait parlé ainsi en cette même année 1962. Et lui pensait qu'il allait y avoir une calamité naturelle à cause du conflit qu'il y avait entre l'URSS et les États-Unis en Allemagne. Et il a emmagasiné la nourriture. Il y avait les tomates et toutes sortes, les concombres et toutes sortes de nourriture. Et les jours passaient, ces choses commençaient à pourrir, et il n'y avait toujours pas de famine. Alors, cela l'a beaucoup bouleversé. Il dit, mais Dieu m'a parlé, et la chose n'arrive pas, alors je vais même abandonner de prêcher. Et une idée lui est venue en tête, d'aller voir Frère Branham. Et quand il est allé en Amérique et a rencontré Frère Branham, c'est là que, par les dons de discernement,
que la chose lui a été révélée. Il ne s'agit pas de la nourriture naturelle, mais la nourriture spirituelle qui est dans les bandes et qui devait attendre le reste qui va suivre pour qu'il se mette au milieu du peuple pour en distribuer. Amen. Amen. Et c'est ainsi que le frère était maintenant rassuré de son mandat et il est rentré chez lui en Allemagne et recevait toutes les prédications que les prophètes étaient en train de prêcher et mettaient en réserve. C'est le ministère que le Seigneur avait pourvu comme ministère de la continuité. Pour continuer après que Dieu aura retiré les prophètes. Et même le prophète de Dieu lui-même a confirmé cela. Il a confirmé cela dans toutes ses prédications de 1963. Dans l'esprit de vérité, il a confirmé cela que Dieu suscitera quelqu'un, pas plusieurs personnes, mais une seule personne qui va continuer avec les messages après lui. Et nous avons le témoignage que c'est cet homme que Dieu a confirmé. Et le prophète et messager a fait la prédiction que ce ministère serait scripturaire. C'est pour cette raison nous avons le privilège de ce ministère qui s'est ramené toutes choses qu'a dites les prophètes dans la Bible puisque, pour que tout ce que nous enseignons et prêchons se retrouve dans la Bible. Et ceux qui ont reconnu cette promesse de Dieu, ils sont maintenant en train de vivre leur présent. Ils reconnaissent ce que Dieu fait présentement. Et ce sont eux qui reçoivent la parole pure. Et c'est la parole pure qui sanctifie. Mais là où il y a les mélanges, jamais on peut arriver à la perfection ou à la sanctification. Car la seule chose qui peut sanctifier, c'est la parole de la vérité. Alors, ce ne sont que ces ministres qui sont connectés à ces ministères-là qui reçoivent la pure parole ou bien le pur message. Et lorsque vous avez toqué à cette porte, où les purs ministres connectés à la promesse présente sont en train de prêcher la parole, et vous acceptez cela comme étant la parole de Dieu, cette parole va agir en vous et va apporter la véritable sanctification. Alors, le glorieux événement que nous attendons de l'accomplissement de la promesse du Seigneur va s'accomplir textuellement comme cela a été annoncé dans les Écritures. Comme à la résurrection, c'était le corps réel du Seigneur qui était entouré, qui était ressuscité. Alors, ça serait le même corps du Seigneur
qui était ressuscité, qui reviendra. L'enlèvement aura lieu comme le disent les Écritures. Non pas un enseignement, mais ça serait la venue réelle du Seigneur. Avec les mêmes corps qui étaient ressuscités. C'est pour cette raison, après la résurrection, 40 jours s'étaient passés, ils s'entretenaient avec les apôtres, avant qu'ils ne puissent monter. Et ici, Luc chapitre 24, Et au verset 50, lorsque les 50, les 40 jours étaient accomplis, ils montaient avec eux à Béthanie sur la montagne des Oliviers. Et c'est là où il leur dit au revoir. Il les conduisit jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il est béni. Pendant qu'il est béni, il se sépara d'eux et fit enlever au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. C'est pour cette raison le Seigneur Jésus-Christ, quand il est monté au ciel, il n'est pas monté les bras croisés, mais il est monté avec les bras étendus, en train de bénir. Et jusqu'à présent, il continue toujours à bénir. Amen. Amen. Et il est monté, mais ici, en Actes des Apôtres, on nous montre que lorsque le Seigneur était monté, les disciples sont restés là en train de regarder au ciel. Et quand ils regardaient continuellement au ciel, des anges leur apparurent. Ces anges leur sont apparus, vêtus en blanc, comme des hommes, vêtus en blanc. Le Seigneur leur promit, vous recevrez une puissance, au verset 8. Chapitre 1er des apôtres, des actes des apôtres. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, dans Samaria, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il le regardait. Et il ne nuait le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, et voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent. Donc des hommes, ce sont les anges. Ils leur apparurent et dirent, homme Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Viendra de la même manière et vous l'avez vu aller au ciel. Amen. Amen. Donc le Seigneur viendra de la même manière. Quand on
on a constaté sa résurrection, c'était le même corps qui était mis dans le tombeau, qui était ressuscité. Et ce même corps qui était ressuscité est celui qui est monté au ciel. C'est pour cette raison, de la même manière qu'il est monté, il reviendra de la même manière. Ça serait une venue physique avec un corps physique, le même corps qui était enterré, qui était ressuscité et qui est monté, c'est le même corps qui reviendra. Ça ne serait pas une venue spirituelle, mais il reviendra de la même manière qu'il est monté. Mais aujourd'hui, les gens cherchent à nous persuader qu'il est revenu. Et ils vous présentent les photos de la nuée. Mais la promesse qui est faite dans la Bible, c'est qu'il reviendra de la même manière qu'il est monté au ciel. Ce serait un corps physique, mais pas un esprit, mais le même corps physique qui était monté qui reviendra. Et qui était-il? Il était Dieu dans la chair humaine. Il a pris notre place et a accepté souffrir et mourir à notre place. Nos péchés et transgressions étaient mis sur lui. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est pour cette raison, Isaïe 53 nous décrit la chose. Qui a écrit à ce qui nous était annoncé depuis le premier verset? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ici, le chapitre 53 d'Ésaïe, il nous décrit l'accomplissement de l'œuvre de la rédemption. Et le Seigneur avait accompli pleinement l'œuvre de la rédemption. Et nous sommes les bénéficiaires de tous les privilèges de la rédemption. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé.
Abeta maki. Et il n'a point ouvert la bouche. Ya fongola ki monokote. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Oko kana nampato yo bako memanesika akoboma. Aïe ne brebis muette devant ceux qui l'attendent. Nampato yo akangi monoko na baye bazali koloko baboma ye. Il n'a point ouvert la bouche. Ya fongola ki monokote. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Ya memaki na angoisse pe châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants. Pe parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Quoi qu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche, il a prié à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Et par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. C'est pour cette raison il est dit qu'il a été fait péché pour nous et a enlevé la malédiction qui pesait sur nous. Il a enlevé la malédiction qui pesait sur nous. Il est devenu malédiction pour nous. Il a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen. Et il est descendu dans l'enfer, a vaincu la mort et le diable, et il ressuscita victorieux le troisième jour. Il a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. C'est pour cette raison, lorsque nous étions sa force, Christ, au temps convenable, est mort pour les impies. Et quand il était descendu dans la tombe, il était mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit, où il est allé prêcher aux âmes en prison. Et maintenant, quand il est ressuscité, il a passé 40 jours avec les apôtres. Et les derniers jours, il les a amenés à l'endroit où il a levé les mains en train de le bénir. Et il est monté au ciel. Ayant payé le prix par son sang pour notre rachat, il nous a réconciliés avec Dieu. Et nous sommes réconciliés avec Dieu.
par le sacrifice de son sang. Et à son retour, la mort sera engloutie dans la victoire. Et ce qui est corruptible deviendra incorruptible. Et les mortels revêtiront l'immortalité. Et à sa venue, tous ceux qui appartiennent à l'église épouse seront pris et s'uniront avec lui au repas des noces. Alors va s'accomplir ce que le Seigneur avait déclaré en Matthieu 24. Les deux qui se trouvaient dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Des deux qui étaient au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Cela s'accomplira à la vitesse de l'éclair. C'est pour cette raison, Matthieu 24, verset 27, le Seigneur montre la vitesse avec laquelle s'accomplira cet événement. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc ce ne sera pas un événement de plusieurs années ou de plusieurs mois ou de plusieurs jours. Cela se fera comme l'éclair qui apparaît à l'Orient et au même moment on voit cela à l'Occident. Et c'est ce que Paul nous explicite ici en 1 Corinthiens 15. Il dit que ça serait en un clin d'œil. Donc, en un clin d'œil, les morts en Christ ressusciteront. Et ceux qui seront restés vivants, on serait tous changés et tous ensemble nous irons à la rencontre du Seigneur. Quand nous lisons cela, il y a plusieurs étapes. On pense comme ça se fera pendant plusieurs heures ou bien plusieurs mois et plusieurs années. Mais la parole nous dit que ça serait en un clin d'œil. En un clin d'œil, tout cela va s'accomplir. Que ce soit la résurrection des morts en Christ, que ce soit la transformation transmutation de ceux qui seront restés vivants et l'enlèvement à la rencontre du Seigneur dans les airs, tout se fera comme de l'éclair. En un clin d'œil. C'est pour cette raison, cet enlèvement des gens qui restent avec nous, ils sont avec nous et ils se disent et ils sont enlevés. Dans Matthieu 24, verset 27, le Seigneur déclare que l'événement s'accomplira comme de l'éclair. Et Paul, l'apôtre qui a fondé la doctrine dans le Nouveau Testament, il clarifie la chose. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés.
Même la résurrection des morts en Christ et la transmutation de ceux qui sont restés vivants, Paul dit que le tout se fera en un clin d'œil. C'est pour cette raison, même les radars des scientifiques ne vont pas saisir cet événement. Ils vont tout simplement constater qu'il y a un groupe de gens qui est disparu de la terre. C'est alors que le but sera atteint, car nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Jean nous dit ici dans son épître, 1 Jean chapitre 3, et au premier verset, il dit, voyez quel amour le Père nous a... que le Père nous a témoigné que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Amen. Nous le verrons tel qu'il est. Même Jésus qui est monté dans un corps physique, il reviendra avec ce même corps. Et tous les cellules le verront tel qu'il est. C'est pour cette raison quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque a cette espérance doit se purifier. C'est ainsi que se réalisera le plan du salut de Dieu. Comme lui a pris un corps semblable au nôtre, c'est-à-dire un corps de chair, pour nous sauver, par sa grâce, pour que nous soyons fils et filles de Dieu, transformés en son image. Alors de même, nous aussi nous porterons un corps qui lui soit semblable. C'est pourquoi quand nous serons enlevés, étant revêtis d'immortalité, de joie éternelle, notre cri ne retentira pas de la terre, mais plutôt du ciel. C'est à ce moment-là que l'épouse va fêter les noces au ciel et non sur la terre. Quand l'enlèvement aura lieu, l'épouse ne sera pas ici sur la terre. C'est pourquoi Apocalypse 19, 19 au verset 7. De la Kotanga Sambo, il est écrit, et komami, réjouissons-nous, bongo, soyons dans l'allégresse, na et donnons-lui gloire, et sa car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Ce cri ne retentira pas ici sur la terre. Les noces auront lieu au ciel. Et quand l'enlèvement aura lieu, nous ne serons pas
encore ici sur la terre. Mais nous serons élevés au ciel. C'est là où il est allé nous préparer notre cité. Et c'est là où il y aura les noces. L'épouse va fêter les noces au ciel et non sur la terre. Cette promesse bénie. Qui est l'espérance de l'Église du Nouveau Testament pour tous les âges et même les apôtres de tous les épîtres ne se réfèrent que de cela. C'était le thème principal des apôtres à l'église primitive. Et le diable a désarmé quelques-uns d'entre nous en cet âge, en cet âge-ci, pour leur faire croire qu'ils sont déjà enlevés, alors qu'ils sont encore ici sur la terre. Mais nous, nous savons que lorsque l'enlèvement aura lieu, nous ne serons plus sur la terre. Le Seigneur est allé nous préparer une place, et jusqu'à présent, il ne fait que préparer cette place. Et lorsqu'il aura terminé à préparer cette place, il va descendre et nous prendre avec lui afin que là où il est, nous y soyons aussi. C'est pour cette raison que l'apôtre nous décrit ce qui se passera ici en 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 13. Il dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Quand nous lisons ici, nous lisons plusieurs étapes. On dirait que ce serait un processus de plusieurs années ou bien de plusieurs mois. Le Seigneur descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec sur des nuées. Si nous voulons analyser cela intellectuellement, nous penserons comme c'est un processus de plusieurs années. Mais le Seigneur nous a révélé que cela s'accomplira en un clair d'œil, comme l'éclair. Donc le tout se passera en une seule fois, comme de l'éclair, en un clair d'œil. Et nous serons partis. Et les gens vont constater tout simplement que
il y a un groupe de gens qui est disparu de la terre. C'est pour cette raison. Cela a été le sujet important de tous les âges. Le retour du Seigneur. Ce qui était en leur temps comme une prophétie. Prophétie. Maintenant, c'est la réalité. Ça, ça y est, Zaline de Solo. Car nous sommes arrivés à la fin de la fin des temps. Et le Seigneur nous déclare qu'il vient bientôt. Alors, si le Seigneur vient bientôt, quelle est notre attitude vis-à-vis de ce moment où nous attendons la venue du Seigneur? Sommes-nous dans l'attente? Est-ce que chacun de nous est prêt? Aimons-nous cet avènement? Car ce ne sont que ceux qui aiment cet avènement qui sont prêts et vivent dans l'attente. Ce ne sont que eux qui seront enlevés. Et vivre dans l'attente, être prêt, c'est vivre chaque jour comme cela ne va pas se passer sans que le Seigneur revienne. Alors c'est celui-là qui comprendra qu'il vit dans l'attente. Mais si quelqu'un voit tout simplement que nous venons dans l'église, c'est seulement pour communier, mais le Seigneur, son temps de venir, n'est pas encore là, c'est que nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas dans l'attente. Et nous ne savons pas comment cet enlèvement va avoir lieu. Mais les enfants de Dieu, en voyant les signes, le Seigneur a dit qu'il est déjà proche. Et il est à la porte. Donc quand nous voyons tous ces signes se manifester, c'est que le Seigneur est à la porte. Et réellement, il vient bientôt. C'est pour cette raison, notre exhortation de ce soir, c'est de nous tenir prêts, car le Seigneur vient bientôt. Il ne tardera pas pour l'accomplissement de sa promesse. C'est pour cette raison. C'était le sujet des apôtres. Il se référait toujours à cet avènement. Il disait, comme on est Thessaloniciens 5:23, le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Corps, esprit et âme, lors de l'avènement du Seigneur. En 1 Timothée 6:14-15, Paul recommande à Timothée de demeurer sans tâche ni reproche jusqu'à son apparition. Voyez que ces gens dans cet âge ne vivaient qu'à l'attente. Et en Hébreux 10:37, il dit encore un peu de temps. Et un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et en Jacques, il dit, soyez patients. Affermissez vos cœurs. Car l'avènement du Seigneur est proche. Et là où nous avons lu en 1 Jean 3, lorsqu'il apparaîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Cette bienheureuse espérance est dérobée à ceux qui sont arrivés à désillusion pour croire qu'ils sont déjà enlevés. Qui disent, qui se disent qu'ils sont déjà
enlevé, alors qu'ils sont encore sur la terre, de suite il y a des doctrines étrangères par des gens qui se font passer pour apôtres, bien qu'ils ne le sont pas, enseignant différemment de ce que les apôtres ont enseigné. La Bible dit qu'ils sont simplement faits d'orgueil. Il faut seulement les prendre en pitié. Et s'il faut les exhorter pour qu'ils soient ramenés à la parole originelle. Sauf pour ceux qui ont reçu la puissance et l'égarement. Pour eux, il n'y a pas de moyens de revenir. Mais les autres cherchaient à les sauver comme on les arrachait du feu. C'est pour cette raison. C'est lui qui ne croit pas que le Seigneur a été enlevé corporellement. Et reviendra corporellement. Et devenir la proie de la fausse doctrine. Et est animé de l'esprit antichrist. Car le même Jésus qu'on a vu monter, il reviendra de la même manière qu'on l'a vu monter. Ça, c'est le témoignage des anges qui ont dit cela aux apôtres. Et plus dangereux encore, ils sortent même 10 000 de ceux qui se disent croire ce message pour dire qu'ils sont déjà enlevés. L'enlèvement a déjà eu lieu. Jésus est déjà revenu. Mais permettez qu'on leur pose même ces questions. Si l'enlèvement a déjà eu lieu, et pourquoi encore vous êtes sur la terre? Vous êtes en train de souffrir. Vous vieillissez. Vous tombez malade. Et vous pouvez même aller à l'hôpital. Et vous dites que vous êtes déjà enlevé. Donc c'est vraiment de l'utopie. Et c'est bien la folie comme déclare la Bible. Puisque quelqu'un qui est sur la terre, il souffre tout ce qu'il y a comme intempérie sur la terre, il vieillit, il tombe malade, il enterre les morts, et il se déclare être enlevé. Mais nous, nous savons que quand il viendra, nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Ces corps d'humiliation, ces corps mortels revêtira l'incorruptibilité. Et vous pouvez vous poser la question, ça serait pour quand? La Bible dit, soyez prêts, le Seigneur vient bientôt. Et c'est à qui le diable a enlevé cette espérance bénie, ils sont tombés dans des doctrines pernicieuses. Et leur principale doctrine pernicieuse sont celles-ci. Ils disent que c'est William Mario Branham qui est leur Dieu. Le retour de Christ aurait déjà eu lieu. Le temps de grâce serait fini. Le sang n'est plus sur le trône de miséricorde. Et l'enlèvement déjà eu lieu. Permettons qu'on puisse même leur poser des questions. Si réellement l'enlèvement a eu lieu,
Où sont les morts en Christ? Nous vous voyons, vous dites que vous êtes enlevés, nous vous voyons. Alors les morts en Christ, nous devons aussi les voir. Puisqu'il est dit, premièrement, ce sont les morts en Christ qui doivent se réveiller. Et ceux qui sont restés vivants vont s'assembler avec eux pour monter à la rencontre du Seigneur. Alors, si l'enlèvement il y est, où sont les morts en Christ? Et pourquoi êtes-vous encore mortels? Pourquoi tombez-vous malades? Les enlevés, où sont-ils en train de fêter leurs noces? Puisque quand ils viennent nous prendre, c'est pour que nous puissions aller fêter les noces. Alors vos enlevés, ils fêtent les noces dans quel lieu? Et pourquoi maintenant vous célébrez encore la Sainte Cène? Puisque la Bible dit, chaque jour que nous mangeons et le pain et buvons la coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Car c'est en 1 Corinthiens 11, verset 26. 1 Corinthiens 11, verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors vous êtes déjà enlevés. Jésus est déjà revenu. Pourquoi alors avoir encore la Sainte Cène? Ce sont les gens qui n'ont pas compris la promesse de leur temps. Et je vous disais, en ces temps de la fin, Dieu nous a fait deux grandes promesses. Il y a la promesse de Malachie 4 qui devait emmagasiner la nourriture. Et il y a la promesse de Matthieu 24 qui devait rassembler la nourriture et se mettre au milieu du peuple pour en distribuer. C'est pour cette raison, les gens qui n'ont pas vu cette promesse de la continuité, ils sont restés en arrière. Alors que la nuée s'est déjà déplacé. C'est pour cette raison qu'ils prennent les citations du prophète et interprètent à leur manière. C'est pourquoi ils sont allés plus loin jusqu'à adorer l'homme, le prophète Branham, faire de lui leur Dieu. Ils sont allés jusqu'à dire qu'ils sont déjà enlevés. Alors qu'ils sont encore sur la terre, ils enterrent leur mort et même tombent malades. Ils peuvent aller à l'hôpital et ils disent qu'ils sont déjà enlevés. Ils portent encore les corps corruptibles qui meurent et qui vieillit. Et ils se disent qu'ils sont enlevés. Vraiment, c'est la pire folie. Et pourquoi cela? C'est parce qu'ils n'ont pas vu la promesse de la continuité. La promesse de Malachie 4, c'est Dieu qui a donné cette promesse. Et la promesse de Matthieu 24, c'est le même Dieu qui a donné cette promesse. Alors toutes ces promesses, il n'y a pas une promesse qui soit moindre. Nous ne pouvons pas choisir entre les ainsi dit le Seigneur. Cet ainsi dit le Seigneur est plus important. Et cet autre ainsi dit le Seigneur
Seigneur est moins important. Tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu a la même valeur. Et la promesse de Matthieu 24 n'est pas moindre que la promesse de Malachie 4. Toutes les promesses sont sorties de la bouche de Dieu. Et nous devons les accepter avec la même valeur. Vous voyez, même pour ce qui concerne le baptême, le Seigneur en Matthieu 28 a déclaré: faites-leur des disciples, les baptisant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. L'accomplissement, c'est ce que le Saint-Esprit a inspiré à Pierre. Et c'est nous du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cette raison, les croyants de l'église primitive, tous ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand la théologie est venue, les gens ont commencé à raisonner sur la parole de Dieu. Ils disent: ici c'est Pierre qui a dit, ici c'est sorti de la bouche du Seigneur lui-même. Alors nous allons baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Ils ont la formule au lieu de baptiser au nom, parce qu'ils jugent dans les paroles de Dieu une qui est plus importante et l'autre moins importante. Mais les vrais chrétiens sont les enfants de la promesse. Ils croient à la parole de la promesse. Ils reçoivent l'esprit promis. Et celui qui a fait la promesse de Malachie 4 est le même qui a fait la promesse de Matthieu 24. Quand il a fini avec Malachie 4, alors maintenant la continuité c'est avec Matthieu 24. C'est pour cette raison, vous n'écouterez la pure parole que là où les ministres sont connectés avec Matthieu 24. Ils vivent maintenant leur présent. Ils comprennent ce que Dieu est en train de faire présentement. Dieu n'a pas terminé avec William Marion Branham. Il ne s'est pas arrêté là. Lorsqu'il a terminé avec son mandat, Dieu est vivant et il continue son œuvre. Alors maintenant, le même Dieu qui avait agi en William Marion Branham a fait la promesse qu'il va susciter un esclave fidèle et prudent si les domestiques de sa maison afin de leur donner la nourriture au temps convenable. Et pour avoir la nourriture au temps convenable, il faut rencontrer les domestiques qui sont connectés à ces ministères. C'est là où la parole est prêchée dans sa pureté. C'est là où nous pouvons avoir le B total de la parole. Et où peut s'opérer une véritable sanctification et une véritable purification, où vont sortir les élus qui formeront cette épouse qui sera sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Et c'est pour cette raison que nous avons dit que
L'eunuque éthiopien, il avait la soif de Dieu, mais il est tombé au mauvais endroit. Il rentrait comme il était venu, mais de grâce qu'il était élu, Dieu a envoyé Philippe pour le rencontrer. Et la même parole qu'il lisait, il ne pouvait pas voir cela jusqu'à ce que Philippe lui a révélé ce que cela était. Et il a cru. Et en ce jour-là, il a dit à Philippe, voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe l'a baptisé. Et l'écriture dit qu'il a continué le voyage heureux. C'est-à-dire qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Il avait cru et a été baptisé. Il a reçu la parole de l'air et le Saint, Dieu lui avait donné le Saint-Esprit. Nous, la même chose, nous n'aurons le Saint-Esprit que si nous reconnaissons notre aujourd'hui. Et ceux qui reconnaissent l'air aujourd'hui, c'est ceux qui ont compris maintenant la parole de la promesse de la continuité. Puisque après Malachi 4, le même message qui était confié à Malachi 4, Dieu a confié à Matthieu 24 pour en distribuer. Et ce qui est distribué Matthieu 24 n'est pas une autre chose que le même message que Malachi 4 avait donné. Alors, si nous voyons cette promesse de Matthieu 24, c'est à ce moment que nous comprendrons ce que Dieu fait présentement. Mais quand nous considérons que Malachi 4, c'est la promesse qui est plus grande de Matthieu 24, c'est une moindre promesse. Alors nous ne comprendrons pas ce que Dieu fait présentement. Le même Dieu qui a agi par Matthieu 24, par Malachi 4, est le même Dieu qui agit maintenant par Matthieu 24. Et ceux qui ont vu maintenant cette promesse de la continuité, ce sont ceux-là qui vivent l'air aujourd'hui. Et ce n'est que parmi eux, ceux qui reçoivent la parole qui leur est donnée comme étant la parole de Dieu, ils n'ont pas la parole des hommes, ce sont eux qui vont maintenant arriver à l'accomplissement du plan du salut. Ils auront un paix total dans la parole pure de pure de Dieu. Un paix, ils seront lavés entièrement dans la parole de Dieu. Et ils vont être purifiés. Ils vont former cette épouse. Il sera présenté sans tache, ni rides, ni rien de semblable. Alors, ceux qui ont compris cette dernière promesse et qui participe à ce que Dieu fait présentement, alors ce sont ceux-là qui vont expérimenter tout ce qui s'était fait dans l'église primitive. Puisque nous serons ramenés à la foi originelle. Ce sont ceux-là dont l'Esprit crie au-dedans de Abba Père. Ils comprennent que le retour du Seigneur est très proche. Et ils disent,
Maranatha. Pe bajali koloba Maranatha. Leur seule espérance. Et liki na bango moko que le Seigneur vienne. Et nkolo aya pour qu'il soit enlevé. Oui te bango baneto lama. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Kika et nkolo apambola liloba na ye. Nous pouvons nous lever. Nozwe mokado ya kotika makambo na mokili deko boko sala na ye. Chacun de nous. Tu ne sens pas que tu es un homme.
Le frère Gabriel Bosenge peut venir prier. Tata nan kolona biso Yesu Kristo. Père de notre Seigneur Jésus Christ. Lokola moto moko tozali kozongisela merci mingi. Comme un seul homme, nous te remercions beaucoup. Tout au long de la semaine, olobeli biso na tina na bozongi na yo. Tout au long de la semaine, tu nous as parlé au sujet de ton retour. Et tu nous as prêché dans quelle position nous attendons ton retour. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé toute la semaine. Bénis ton serviteur qui a permis qu'il puisse prêcher à sa place. Bénis tous qui ont prié pour que les choses puissent avancer. Parce que tu nous as donné ce pouvoir de prier pour tes serviteurs. Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons ton amour. Que ton amour continue dans notre vie. Si nos yeux ne voyaient pas, que tu puisses oindre ton collier pour que nous puissions voir comme les disciples voient, les apôtres. Nous abandonnons les dimanches entre tes saintes, mais toutes les cérémonies qui vont se passer ici. Et nous puissions voir le Saint-Esprit prendre toute la responsabilité. Même na bisika ya fête te kozala nkolo yozala na biso koyeba na ete ezali fête ya bana na Nzambe. Même là où sera organisée la fête, que tu sois là pour qu'on sache que c'est les enfants de Dieu qui sont là. Beaucoup de nos enfants sur toute la surface du Congo ont reçu leur diplôme d'État. Et des fois, ils ont le premier jour, pour la première fois. Et souvent, c'est toujours le premier jour où ceux de garçons peuvent même fumer à cause de la joie. Des fois, même les filles peuvent être séduites à cause de ces diplômes. Oh Dieu, qu'il te plaise dans ta souveraineté pour épargner les enfants. Seigneur, qu'il te plaise dans ta souveraineté.
souveraineté d'épargner nos enfants. Notre retour, nous le mettons entre tes mains. Nous te prions que toutes les promesses qui sont sorties de ta bouche, que nous puissions les considérer d'une valeur. Qu'on croie comme les disciples croyaient. Et nous puissions vivre comme les disciples vivaient. Merci pour notre côté à Bissonkolo. Merci pour nous avoir prêché, Seigneur. Et donnez-nous la capacité de mettre la parole en pratique. Nous chassons toute la distraction de sortir au nom de Jésus-Christ. Et que notre préparation soit effective. Que chacun s'examine. Si cette préparation est comment? Nous pouvons nous étonner. Et que le dimanche, quelqu'un dit qu'il est en train de marcher. Et que d'autres fardeaux sont en Brazzaville. D'autres à Lubumbashi. Et il dit que tous ces fardeaux-là, ils sont en Kinshasa. Et aujourd'hui, il est toujours à Kinshasa. C'est comme cela les autres vivent cette préparation. Préparation, la vie montre que la préparation n'est pas effective. Une bonne vie. Donne-nous une bonne vie. Et pour cette préparation que merci pour la coquille de la biso. Merci pour avoir envoyé tes serviteurs au milieu de merci nous. Merci pour la promesse de Malachi. Merci pour la promesse de Malachi. Merci pour la promesse de la continuité. Merci pour la promesse de la continuité. Bénis notre frère Ewald Frank. Rajeunir son corps, Seigneur. Continue ton œuvre comme tu l'as décidé pour nous. Notre retour entre tes mains. En confirmation de ta parole. En confirmation de ta parole. Et celui qui est malade soit guéri au nom de Jésus-Christ. Quand tu vas guérir nos corps, guéris aussi nos âmes. Merci pour la consolation. Merci pour nous avoir nous entretenir. Merci avec pour la compensation condima. Merci pour nous avoir donné la foi. Merci pour la compensation ma coquille à côté de l'obanamo. Merci pour nous avoir donné la capacité de mettre la parole en pratique. Donc bon tata. Nous te prions Père. Nankombo nankolo Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Tu kalingomba toloba amen. Laisse que l'Église dise amen. Tokoko vanda. Nous pouvons nous mettre. Tobo sanate Mokolo mwa lomingo di bala li kozala. Que nous n'oublions pas que le dimanche il y aura un mariage. Et que nous puissions nous apprêter à ce sujet. Deko nabiso ya mobali Joe Dimok. Notre frère Joe Dimoke. Azali. Est-ce qu'il est là? Ayaras. Qu'il vienne alors. De Komobale Joe Dimoke. Le frère Joe Dimoke. Azali Bongo. Kouyebi Sabiso Boye. Il nous dit ceci. Nazali Kosangela Koyangana. J'annonce à l'ensemble des chrétiens de Lingwala. Que demain, le samedi, je vais voyager pour les États-Unis d'Amérique. Ces voyages, c'est mon retour. Nayango na zali kosenga di bondeli ya basantu ya kuyangana. Pour cela, je demande la prière des saints de l'assemblée. Ya kuyangana oyabiso. De notre assemblée. Ainsi, nous allons prier chacun de nous. On m'a l'a donné de, après, alors que les frères priaient déjà.
En ce qui concerne les requêtes, il faut que ça vienne un peu avant, avant que celui qui va clôturer la prière ne puisse prier. Toko telema. Nous pouvons nous lever. Toko bondela. Et nous allons prier. Na bokuse. Courtement. Tata nankolo Yesu. Deko jodi moke. Akuzonga lobirokuya. Sokonde yangu yali mukano mwayo. To singin zilei fungwa mirama ye. Lukula yake na kimya, azonga pe na kimya. Sunga yenkolo. Atikili bota lia mosuni awa. Heureusement, tangu atikili bota ya ilimu awa, akutipeli bota ya ilimu kuna. Uzala na ye, Seigneur, au pourvoir. Pona kolia na ye, nesika oyo, akuzwa nourriture. Pambula mokengeli na bango, pe kuyanga na mubimba ya Virginia. Mwasi wa ye atikalia wa uza na ye rongo. Tuzaliko zela arrivage. Na bongo nkolo, okoka kusimba ye pe ya kusimba ma. Awa tutikali, obate na pebiso. Lukula touti koyoka bozongi bwayo. Yangonde rendez-vous ya basante. Soko ukozonga vatomona na toko oka kukuta na biso banso zinga zinga na yo. Kembulo kupe masanjuli tozongi sirio na kombo na kona biso Yesu Kristo. Amen. Toko kuvana. Nous pouvons nous asseoir. Ya tuna kiboye alobi bon. Soki ya kei Fredi Jo Yewana. Soki ya kei ya zongi lobi. Eske ya kuiko meme, bambote ya basantu, ya Kinshasa wa kuna na Virginia. Amen. Oui, mema kabakata ya conteneur. Amen. Dieu voula. Pesa na mokengeli, Eli Kalonji, bambote. Elongo na frère Samuel. Et puis frère Michel. Et toute l'assemblée. Zambé, à Pamboulayo. Voilà. Ponalilu, Nabanza, Tosuki, Wana. Et pour aujourd'hui, je pense que nous nous arrêtons là. Nkola Sungabiso, pour dimanche, Tokutana. Que le Seigneur nous aide pour que le dimanche nous puissions nous retrouver. Mais tous les gens qui ont vendu Pembeni, Pembeni. Mais nous annonçons aux frères qui habitent les environs. Et awa vers 18h30. Et ici vers 18h30. Rediffusion, il y a prédication en direct, il y a Krefeld et Salamac. Il y a la rediffusion de la prédication en direct de Krefeld ici. Alors, Koukouya, Oulandi, Totolandi, Ango, Ezabier. Tu peux venir suivre où nous suivons, c'est vraiment bien. À moins que Ozala, na téléphone, na yo, Android, ba crédit, Izali, Koukoulanda, Nandak, mais sinon, Eza projeté chaque fois, rediffusé à moi. À moins que tu aies ton téléphone Android pour suivre à la maison, mais chaque fois, chaque cela est chaque samedi, c'est rediffusé ici. C'est projeté ici. Bandeko, ba juriste auto 5 kilobiso ke bazali ba kuikoya tokutana ba nini susu. Les frères juristes que nous avons annoncé hier, s'ils sont là, ils peuvent rester. Ah, dimanche. Donc na banza de lo tosukiwa. Je pense qu'aujourd'hui nous arrêtons là, frère, tu peux venir.